Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce chapitre 1052 de One Piece. Chapitre que je suis très impatient de lire. La dernière fois, pour ceux qui ont vu ma réaction live, c'était beaucoup d'émotions. On avait eu droit à l'arrivée triomphale de Momonosuke accompagné des 9 fourreaux qui du coup étaient annoncés comme le véritable shogun de Wano. Et du coup, qu'est-ce que j'attends pour ce chapitre? Eh ben, du coup, j'espère que ça sera le chapitre où on aura un peu des nouvelles du reste du monde, de qu'est-ce qui se passe chez les Tenryubito, enfin dans le gouvernement mondial, qu'est-ce qui se passe un peu partout, les personnages qu'on connaît depuis longtemps, peut-être des réactions à ce qui se passe, si les nouvelles sont déjà en train de circuler, on ne sait jamais, c'est souvent assez rapide dans le monde de One Piece. Et puis la conclusion de cet arc, surtout que, je le rappelle, alors je me doute que tous les fans de One Piece sont déjà au courant, mais effectivement, bientôt, Oda va prendre un mois de pause sur la sortie des chapitres. Alors pause, c'est une pause à la Oda. Donc, pendant ce temps-là, il va préparer la dernière ligne droite. Donc, alors attention, c'est pas qu'il reste un arc. C'est, voilà, cette suite d'arcs finaux qui vont emmener jusqu'à la fin de l'œuvre. Donc on a quand même pour quelques années, vous inquiétez pas. Même si j'avoue que ça fait bizarre de se dire qu'on attaque la dernière ligne droite. Et il va aussi en profiter pour se rendre en Afrique du Sud, du coup, pour voir un peu comment se passe de la série live action de Netflix. Voilà. Bon, et ben écoutez, on attaque ce chapitre 1052 de One Piece. Je sais plus si je l'ai dit, mais j'espère que vous allez tous très bien, bien évidemment. Et c'est parti, on attaque tout de suite. Alors, la mini avant. Ah, donc il y a César qui était là aussi. Mais alors, est-ce qu'il se cache? Oui, il a l'air de se cacher, en fait. Mais parce qu'on était où? Je sais plus, il était pas censé être avec... avec le... Comment il s'appelle, zut? L'espèce d'Al Capone? Je pensais qu'il était avec lui à la base. Mais en tout cas, donc... Un scientifique ayant échoué à s'échapper. D'accord, il est coincé sur l'île. Donc on pourrait avoir... Un César qui refasse équipe avec du coup le père de Sanji. S'il est sauvé hein, là par les Vinsmoke. Ça serait assez intéressant ça. Et puis ça ferait une sacrée team scientifique derrière les Mugiwara. Là on aurait parmi les scientifiques les plus évolués au monde hors Vegapunk. Donc ça peut être un sacré appui hein, dans la flotte. Bon, eh bien, on continue cette lecture. Et donc, le chapitre s'appelle « Un nouveau matin ». Ah, oh, on commence directement à Pangea. Terre sainte marigeoise. Alors, Nika s'est enfin matérialisée dans notre monde. Deux empereurs sont tombés en même temps, ils sont déjà au courant. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons dissimuler. Le timing ne pouvait pas être pire. Qu'est-ce qu'on fait ? Mer aux alentours de Wano. Ok, donc là c'est la marine. L'éléphant a disparu, vous confirmez? Ah, il est parti, Zunisha? Oui, lentement dans la brume. Qu'est-ce que... Et là on a un des vieux sages, le... Je crois que c'est le vieux Grandi avec son bâton, là. Un de ceux du gouvernement mondial. C'est donc que le pays de Wano ne s'ouvrira pas. Wano reste donc une forteresse imprenable. Donc... D'accord, parce que Momo disait non, j'ouvrirai pas Wano tout de suite. Wano a besoin de Zunisha pour s'ouvrir. Ok. Et vu que Momo a dit à Zunisha, j'ouvrirai pas tout de suite, donc Zunisha est parti. Mais du coup, est-ce que c'est ça la promesse de Zunisha, d'ouvrir le pays de Wano? Et en quoi ça consiste dans ce cas? Pourquoi il y a besoin de Zunisha? Ses rapports avec le fait que c'est compliqué d'y entrer? Donc peut-être que Zunisha doit réussir à... Soit à tirer Wano peut-être ailleurs, soit à abaisser son niveau, enfin au niveau de l'entrée, où il y a plus problème avec la cascade. C'est intéressant ça, c'est vraiment intéressant. Il semble qu'ils aient modifié leur plan à la lumière de la situation actuelle. Au moins l'un d'entre eux est très rusé. Maintenant, même avec notre nombre, une invasion directe sera impossible. Vous allez au moins ramener Nico Robin, pas vrai? Et là, l'agent du CP0 qui répond sans faute. CP0,
Le signal, ça c'est un agent. Le signal a été piraté. Hé hey, les gars, t'es qui? Attendez-moi là. J'arrive. Ça doit être l'agent du CP0 qui s'est échappé, non? Wano, libéré de 20 années de tyrannie, était en ébullition. En ébullition de par la victoire du clan Kozuki. Puis on voit Onigashima qui s'est écrasé, enfin qui est posé du coup sur le sol et la capitale des fleurs en arrière-plan. Onigashima à l'intérieur du château. Oh, Hawkins. Et Drake qui est au sol. Off, il est complètement blessé, Hawkins. Drake, enfoiré, t'es de la marine. Et Drake, comme si j'allais te répondre. T'es venu juste me demander ça? T'as pas l'air en pleine forme. Ça, c'est Drake. T'avais pourtant vu que ne pas trahir Kaido était l'option la plus sûre, non? Hawkins, je me suis soumis à ce monstre quand il est apparu, parce que sinon, je signais mon arrêt de mort. Mais Kid et son équipage se sont battus jusqu'au bout. Ils étaient prêts à mourir. Mais même si j'avais prévu sa victoire, tu crois vraiment que je serais revenu en rampant vers lui? Drake qui a un mini flashback. Si tu trahis, c'est maintenant. Qu'est-ce que t'essayes de prédire, là? Les chances de survie d'un homme en particulier? Seulement 1%, quel dommage. Il parle de Luffy. Ah non! Drake qui lui demande, cet homme, c'était... Et Hawkins répond, moi. D'accord. Parce que moi, je me souviens, au début vers le début de Wano, il y avait eu ce moment où il rencontre Luffy, et c'est le moment où Zoro arrive, je crois, aussi après, et où il disait... En fait, dans ce qu'il disait, tu comprenais que les chances de Luffy de mourir n'étaient jamais de zéro. Et du coup, je m'étais dit que ça allait jouer forcément pour plus tard. La capitale des fleurs. 7 jours après la fin de la guerre. On est une semaine après. N'enlevez pas les décorations du festival. D'après les instructions de Simon Nozuke, je veux dire du shogun, nous aurons un autre festival sous peu. Il attend que le fils réveille. C'est ça l'autre festival. Mademoiselle Saraibi ne reviendra pas? Ah oui, ancienne professeure qui faisait de la propagande. Pourquoi? Désolé, mais vous allez devoir réapprendre toute l'histoire de ce pays. Hein? Notre premier cours d'histoire. Notre premier cours sera l'histoire de Oden Kozuki. Voilà, ils vont pouvoir raconter la vraie histoire aux gamins maintenant. Fini avec ces histoires à deux balles. Je ne peux toujours pas croire que la plus grande beauté de Wano, Komurasaki, était la fille de Siroden. C'est Kawamatsu, le kappa qui lui a permis de s'échapper du château en flammes. Donc voilà, on voit que tout le monde apprend la vérité. Quelle incroyable preuve de loyauté, et qu'un autre Furo observait les choses pendant tout ce temps. Dire que Kyoshiro était en réalité Denjiro déguisé. Ouais, donc voilà, on voit qu'ils apprennent tout ce qui s'est passé. Ferme du paradis. Tu connais celui qui a battu Kaido? J'ai entendu parler d'un certain guerrier nommé Joy Boy. La légende de Joy Boy renaît. On y est. On a le retour de la légende de Joy Boy qui va pouvoir arriver à nouveau. Apparemment, il est plus dans le pays. Non, il n'y a pas eu de buffet. J'y crois pas. J'aurais bien aimé le voir une fois. C'est un héros au même titre que le dieu des lames. Le dieu des lames. Les tombes éternelles, Ringo. Bâtir un sanctuaire? Ouais. Comme Ryuma. Le dieu des lames. Sur la colline qui regarde la capitale des fleurs. Nous vénérerons Siroden. Et tout autour, les Daimyo qui ont combattu pour le pays. À commencer par Sir Yasuye. Oh! Et puis Ashura et Izo. Ils sont vraiment morts. Wow. Et vous voyez, beaucoup de monde se plaint de la part d'Oda qui tue quasiment jamais ses persos. Mais du coup, quand il le fait, on s'y attend encore moins. Ah, ils sont vraiment morts, Ashura et Izo. Wow. Ouf! Ah, le chien. Kapapa, tu pourrais faire la même chose pour nous un jour, Onimaru. C'est bon de te voir. Est-ce que vous le permettrez, Marco? Bien sûr. La terre de ses ancêtres, c'est le plus important. Quant à moi, je suis encore là. Et nous aussi, ça c'est le Kappa. Nous sommes... Kinemon. Nous sommes ceux qui demeurent. Si quelque chose devait arriver à un autre de nos héros... Je ne pense pas que je pourrais le supporter. Souhaitons-leur le meilleur. Et là, on voit le palais. J'ai tellement faim. Non, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Elle l'attend. Elle attend Luffy pour manger. Elle fait ce que Luffy a fait avec Sandy. Grand frère, grand frère.
Yamato. Luffy Taro et Zoro Joro ont... Ils ont ouvert les yeux. Burk, tu ne cesseras jamais d'être un garçon manqué. Pas que ça fasse mal. C'est qui tape qui? Ah, c'est... C'est Yamato qui frappe Momonosuke. Excellent. 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 Et on les voit. Du saké! Et le fit à manger! Momonosuke qui arrive. Le fils Zoro, vous êtes réveillé. Le banquier de fin d'arc. On y est. C'est le banquier de fin d'arc. On vous apporte la suite immédiatement. Ah, ça fait plaisir. Encore de la viande, encore du saké. Luffy, tu dors plus? Et il y a tout le monde autour de la table. On voit Sanji, on voit la petite gamine. On voit Chopper, on voit Zoro qui picole. Brooke qui fait de la musique. On voit le médecin de Zunisha. Oh, un ami qui est en train de raconter une histoire à la petite fille du village des Bisous. Il y a l'infirmière. Le duc. Ah, trop bien. Et du coup, Momo qui... Sa sœur et puis Yamato qui les rejoignent. Trop bien. Momonosuke. Luffy, Zoro, ne mangez pas trop maintenant. Ils vont pas vouloir rester pour le grand truc. Ils veulent pas être des héros. Ils vont pas vouloir rester pour le grand événement. C'est Luffy. C'est sûr. Luffy, Zoro, ne mangez pas trop maintenant. J'avais prévu d'organiser un grand banquet national dès que vous seriez réveillé. Faisons-le aujourd'hui. La merde, s'il le regarde. C'est moi! Ah, mais ils le reconnaissent pas! C'est moi, c'est Momonosuke! Yamato qui a Luffy dans ses bras. Chopper qui. Qui a Zoro. Hein? Ah, t'es devenu adulte alors? T'as même l'air plutôt costaud, dis-moi. C'est grâce au sang d'Oden, tu veux te mesurer à nous? Arrêtez! Ça, je suis sûr, c'est Zoro. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. On l'avait tous dit ça. Momonosuke, arrêtez, à l'aide Nami il me tape. Et comme avant il vient se réfugier dans sa poitrine et le tabasse, dégage. Tu peux plus faire ça Momo, c'est fini. Bon après t'es shogun d'un pays, tu peux le faire, mais bon, voilà. Avec des gens consentants. Mais j'ai que 8 ans. Ah oui c'est vrai par contre. Oui non non. Je retire ce que j'ai dit. Mais j'ai que 8 ans. Ah oui c'est vrai. Mais j'ai eu trop mal, mais quand... J'ai pas eu trop mal, mais quand même. Comme je le... Luffy, comme je le pensais, il a la peau dure. Et Sanji et Brooke qui sont tellement heureux. Bienvenue dans le monde des adultes, Momo. Plus de privilèges pour toi. C'était tellement sûr. Ce gag-là, on devait l'avoir. C'était obligatoire. Oui, c'était prévisible, mais il fallait le faire. C'était obligé. Et Yamato, à l'intérieur, tu restes un enfant. Et à l'extérieur, tu es Oden. Tu vas pas mettre à chaque fois des assiettes sur la tête, ami. T'es plutôt bien bâti, tu peux remercier ton père. Je suis sûr que tu deviendras le meilleur samouraï du pays. Je vais faire de mon mieux. Nami, Yamato, avant de faire la fête, est-ce qu'on n'irait pas prendre un bain? Ta prière est finie maintenant, non? Luffy, prière? Apparemment, il y a une tradition ici à Wano. Quand ils adressent une prière à une divinité, ils s'abstiennent ensuite de faire certaines choses afin que leur vœu soit réalisé. Yamato, j'ai prié pour que vous guérissiez vite. En échange, je ne devais plus manger ni prendre de bain. C'est exactement le parallèle avec, hein, avec Luffy et Sanji. Luffy, oh c'est vrai, merci, grâce à toi on va beaucoup mieux. Et Jinbe, c'est vraiment quelqu'un de bien. Zoro, maintenant que vous le dites, comment ça se fait qu'on soit propre comme ça? Et là la sœur de Momo, c'est moi qui t'ai lavé, t'es content pas vrai? Et Sanji en flamme. Le cactus, j'ai deux mots à te dire. Et puis en plus, vraiment, la sœur de Momo en mode. C'est moi qui t'ai lavé. T'es content, pas vrai? Sanji. Ah oui, Zoro, quel flashback de ce que lui avait dit Sanji. Si à nos retrouvailles, je ne suis plus moi-même. Quand il avait peur que. Quand il avait peur de se transformer. Vraiment, Germa et de perdre ses émotions. Si à nos retrouvailles, je ne suis plus moi-même, il faudra que tu me tues. Et Zoro, du coup, qui dit. Ah, d'ailleurs, tu sais.
Je suis revenu des enfers pour te tuer. Ah non, c'est bon maintenant, ça a été réglé. Et Yamato. Nami, malheureusement, les bancs du château ne sont pas mixtes. Et puis du coup, c'est toujours le truc de je suis Oden, je suis un homme. Est-ce que je peux y aller avec toi? Intérieur du château, bain. En extérieur. Ok, donc c'est la question qu'on s'était posée, et Yamato prend bien son bain avec tout le monde. Enfin, avec les mecs. Les bains! Bain homme. Ah, ça fait du bien! Et juste après un banquet... Et juste après un banquet nous attend, c'est le pied. Sanji, on l'avait dit. Voilà, Sanji qui vole avec le... avec son sang. Yamato! Momonosuke qui est complètement rouge. Momonosuke, qu'est-ce que tu... Et Brook, pareil, qui s'en remet pas. Hein, je rêve ou quoi? Puis évidemment, Zoro, Luffy qui s'en fout complètement. Pareil pour le duc. Et d'autre côté, le bain femme. Nami, ils en font un bruit. Ils en font un de ces bruits à côté. La gamine, moi aussi je veux devenir aussi ensorcelante, Robin. Autrefois avec Siroden. Ah non, c'est la sœur de Momo. Autrefois avec Siroden, on prenait des bains tous ensemble. Mais c'était quand même un peu gênant d'être avec des garçons. Okiku-chan, tu es exactement la même qu'autrefois. C'est moi qui suis ton aîné maintenant. Là, c'est celle de... Ah oui, non, d'accord, c'était Okiku, puis maintenant, c'est la sœur de Momo, qui dit Okiku-chan, tu es exactement la même qu'autrefois. C'est moi qui suis ton aîné maintenant. C'est aujourd'hui le banquier, c'est vrai. On va encore festoyer. Buvons au retour du clan Kozuki. Il faut passer le mot à chaque province. Udon, porte de Tokage. Oh, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu. Le Thousand Sunny. Et puis il y a aussi le... Ah oui, ils les ont réparés du coup. Ah oui, c'est Usopp et Franky qui sont sur la préparation. Et du coup, il y a aussi le sous-marin de Law et le bateau de Kid. Fiu, et voilà, comme neuf, prêt à repartir. Le général Franky aussi est réparé. Magnifique. Il y a même le vieux, le charpentier pour qui bossait Franky pendant un moment. Du coup, il y a Beppo qui est là. Magnifique. Il y a Killer. Kid, commencez pas à sympathiser, les gars. Jusqu'à ce qu'on parte d'ici en sécurité, restez sur vos gardes. Si l'information est parvenue à fuir, alors les journaux vont être au courant et on sera vite pris pour cible en tant que remplaçant d'empereur. Law, c'est vrai. Que nous soyons dans un pays fermé ne signifie pas nécessairement qu'ils ne peuvent pas le découvrir. Mais par contre, ça signifie que nous n'avons aucun moyen de voir leur réaction. Est-ce que la prime du capitaine va? Il pourrait l'augmenter à un montant incroyable. Apu est un number? Apu est un number. Et Apu qui dit, t'as raison, ça a fuité, comment c'est possible? J'en étais sûr, c'est toi, espèce d'enfoiré. Ça c'est Kid qui dit Apu. Puisque tu es si curieux, regarde par toi-même les primes. Papa, tu veux jeter un coup d'œil? Tout est là. Vos primes mises à jour et les noms de ceux qui ont été nouvellement nommés empereurs des mers. Eh, nous laisse pas ça pour le chapitre suivant, ne fais pas ce coup-là. Ça va être le chapitre suivant. Dis-moi ta position exacte. Je viens de le dire, Sakazuki, je suis dans le ciel. Sois plus précis. Ah, je peux voir Wano devant moi. C'est un mec qui vole. Tu ne dois rien faire d'inutile, compris Ryokugu. Je le sais déjà, bon sang. Et donc, putain, c'est une fleur qu'il a, ça ressemble à une fleur qu'il a dans le dos. C'est bien un pouvoir lié aux plantes. C'est une sorte de fruit avec un pouvoir végétal. Et il y a Ryokugu qui débarque. Après, est-ce qu'il serait un peu comme un remplaçant de Aokiji, dans son état d'esprit? Qu'est-ce qui va se passer avec un empereur qui débarque? Est-ce qu'il va prendre Robin? Je suis curieux. Et du coup, on n'a pas les primes tout de suite, on les aura sûrement la semaine prochaine.
Ok, bon, et ben sacré chapitre. Sacré chapitre. Ouais. Vraiment cool. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Ok. Eh ben écoutez, voilà pour la réaction live. Je suis curieux de savoir ce que vous, vous en avez pensé, du coup, en commentaire. Et ah ouais, donc voilà, on voit Yamato qui est vraiment. Elle est aussi très proche de Momo. Est-ce qu'elle va partir avec les Mugiwara? Mais je pense qu'elle a quand même vraiment envie de partir. Je sais pas, du coup. Je sais pas. Puis bon, tout le côté, oui. Tout le côté elle, mec, du coup, le bain, tout ça. Forcément, j'y attendais, mais ça reste assez drôle. Vraiment curieux de tout ce qui va se passer quand ils vont ressortir de Wano. Puis rien que l'arrivée de Ryokugo, là, c'est-à-dire on va enfin le voir. Ouais. Et du coup, il a pu ne pas manger. Parce qu'on se rappelle qu'il parlait du fait de ne pas avoir mangé depuis un an, ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est parce que du coup, il peut juste se nourrir par photosynthèse, en fait, comme ça avait été théorisé un an? Ou juste avec la pluie, en fait, ça le... quelque part, ça le nourrit. Mais, waouh! Bon, et ben ça annonce du lourd, en tout cas, avant cette pause de un mois, ne serait-ce qu'avec le... Il nous reste quoi? Je pense qu'il nous reste un ou deux chapitres, en fait, peut-être deux. Mais du coup, vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Écoutez, voilà, donc... N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, évidemment, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner, je sais plus si je l'ai dit, si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt et au revoir. Ciao.